Les frérots, débrief de la dernière soirée GTRP, parce que là on reprend GTRP, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'infos, on sait qu'on se rapproche de la fin. Normalement aujourd'hui ça devrait être le voyage en Égypte, alors j'ai hâte de découvrir ça. Mais du coup, rappelez-vous, la dernière soirée de la School RP, on est sorti la nuit avec beaucoup de gens. En gros, tous ensemble, on avait les 4 pieds de biche, on s'est dit on va ouvrir la trappe. Malheureusement, pour la décaler, il fallait un bec d'aigle. Ma théorie c'est que c'est les rouges qui l'avaient, puisqu'à un moment, dans la nuit, j'ai vu les rouges réussir à décaler la trappe et rentrer dans le sous-sol. Malheureusement, je voulais pas les suivre tout seul, donc j'ai cherché Clétus et tout pour qu'on rentre à deux sous la trappe, et j'ai jamais retrouvé Clétus, et quand je suis revenu à la trappe, elle était fermée. J'ai tout loupé, je sais pas ce qui s'est passé dans le sous-sol, etc. On va se reconnecter, on va parler un petit peu avec tout le monde, on va essayer de grappiller des infos. Ok, nickel. Oh là 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 là, Bobby Junior. Oh, Clétus. Salut Bobby, ça coucou. Va coucou. Ça va Clétus? Oh là, tu m'as l'air pas bien. Viens avec moi. Putain gros, hier soir il s'est passé des dingueries hein. T'as vu, moi j'avais vu la trappe ouverte, je t'ai cherché partout, un moment j'ai perdu. Ouais, je suis rentré dedans, je pensais que t'étais dedans. Ah, t'es rentré? En fait viens, faut que je t'explique, viens. Tu vois, quand t'es parti avec Amine ici là. Ouais. Donc là je me suis dit, peut-être que ils vont ouvrir la trappe et qu'il t'a proposé ou un truc comme ça, tu vois. Et je t'ai cherché dans le gymnase, autour, je t'ai pas trouvé. Et là, j'ai vu la trappe ouverte et j'ai vu Brandon et Bachir sauter dedans. Ah putain, mais t'as bien fait d'aller avec eux. Mais d'un côté, tu vois, je vais dire quelque chose, Bobby. Je suis content que tu sois pas rentré. Il s'est passé quelque chose de terrible. Attends, mais il s'est passé quoi là? Tu me fais peur. Déjà, regarde ma main. Wesh, mais attends, mais c'est quoi ça? Tous ceux qui sont rentrés ont un symbole depuis qu'ils se sont réveillés aujourd'hui. On sait pas ce que c'est. Et les autres, et Amine, ils voulaient qu'on en parle à personne. Moi, j'ai balancé à tout le monde, tu sais pourquoi? Parce que on a un camarade qui est mort ce soir-là. Une fois qu'on est allé, on a trouvé une pièce avec des monstres. Des monstres branchés à des ordinateurs. D'ailleurs, j'ai récupéré certains de ces ordinateurs et Amine, il a récupéré le reste. Et à un moment donné, on a réveillé des monstres et... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils nous ont poursuivis et il y en a un qui a fait le héros. Et Bachir, il s'est retourné, il a dit je vais vous faire gagner du temps, je suis un Algérien. Et il s'est battu contre les monstres et il est mort. Non. Et les autres, ils voulaient pas qu'on en parle, mais moi pour lui, moi je vais aller le chercher. Parce que s'il y a une chance qu'il soit en vie, il faut qu'on redescende là-bas. Faut redescendre. Qu'on aille le chercher. Parce qu'en fait, il y avait aussi des cellules en bas. Peut-être ils les ont fait prisonniers, peut-être. Il va falloir que tu sois moins naïf avec les gens, d'accord? Moi, je risque de mourir, d'accord? Quoi? Mais pourquoi? Mais arrête, Clétus, dis pas ça. Écoute, avec la marque que j'ai sur la main, c'est peut-être une malédiction. C'est peut-être qu'on a été marqué par les monstres. Mais ils vont venir nous chercher, d'accord? Mais écoute, en vrai, écoute, tu crois que c'est une bonne idée que je redescende? S'il m'arrive quelque chose, Bobby, sache que déjà, je t'aime en tant que père, d'accord? Et que ne cherche pas à me venger. Si je meurs, échappe-toi de cette école, d'accord? Et sache que si t'arrive quelque chose en bas, je viendrai te chercher dans tous les Clétus, cas. Clétus, arrête de me parler comme ça. Et si Amine, il te propose une mission pour descendre, tu lui proposes de me ramener, comme ça je vais chercher Bachir. Mais en tout cas, si on a une mission, si le prof d'SVT nous donne une mission en Égypte, comme il nous avait dit, il va falloir qu'on réussisse, parce que là, maintenant qu'on a réveillé les monstres, on est peut-être en... Nos jours sont comptés, je pense. Et par rapport à la marque que t'as sur ta main, si tu penses que c'est une malédiction ou un truc comme ça, absolument tout le monde qui est allé dans le sous-sol a cette marque. Ouais. Mais si c'est ça, je devrais peut-être pas y aller. Bah oui, mais bon, quand même, t'as envie d'y aller, je pense. Au fond de toi, t'es un aventurier, c'est pour ça. Bah ouais, mais frère, c'est ça, a l'air dangereux quand même. On va plus jamais entendre Bachir nous dire Viens venez. Oh là là, c'était trop bien. Salut Bobby, ça va? Ils m'ont expliqué. Ça va? Oh là là, les verts, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ouais, c'est vrai. Ça va, papa? On a l'impression que ça fait une semaine qu'on s'est pas vu presque. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Léo? T'es en forme là? Oh, John! Hey, oh les gars, John il a la trace à la main. Yo, bien! On est là. Bobby, ça va? Ça va, Kirby? Super, et toi? Putain, mais tout le monde a la trace, John. Ça va, tranquille. Attendez, les gars, il y a du monde qui est descendu quand même. Hein. Wesh, Bobby, ça va ou quoi? Wesh! C'est juste pour te prévenir, frérot, fait. Très attention à toi aujourd'hui. Vraiment, j'ai entendu un bruit de couloir sur toi, une rumeur. J'espère vraiment ça va pas se réaliser. Et je pense que tu vas faire tout pour me protéger quand même, non? Eh, je vais tout faire pour couvrir tes arrières, vraiment. Mais genre vraiment, là je suis en train de me plier en quatre pour te sauver, mais je te garantis. Putain, je te le revaudrai, frère. Tous les jours, tu fais tout pour m'aider. Merci beaucoup. Je sais, mais fais bel à toi, vraiment. T'as des ennemis de fou sur tes côtes. Mais bah c'est pas son prénom, c'est son surnom. Aïe, ouais, sale chien. Je vais le fumer. Et lui, là, il est mort. Il est mort. T'es mort. Reviens. Viens là.
Reviens. T'es mort. Par là. Par là, j'ai un texte. Ah. Là. Putain. Ouais, laisse tomber, je le rejette. La pire va. T'es foutu. Attends, Bobby, attends, c'est un malentendu. Aïe. Bobby, c'est un malentendu. Voilà, sale chien. Bobby, j'ai pas fait exprès, calme-toi. Comment ça t'as pas fait exprès? Tu m'as couru dessus, j'ai pris une droite. Je pensais que t'étais Francis, je me suis trompé de cible. Ça se voit que je suis pas Francis quand même, fais un effort. Putain, ouais, mais t'as vraiment une sale gueule, je me rends compte que t'es vraiment moche. Mais t'es malade de dire ça. Attends, tu ressembles à quoi toi? Bah, je suis quand même BG moi. Ouais, c'est vrai, ça va. Eh, hey, j'ai ken quelqu'un hier, mais je sais pas si je peux t'en parler. Quoi? T'as ken qui? J'ai ken quelqu'un et après toi, je l'ai mis déchassé. Toi? Ouais, et la personne elle s'appelait Yuki. Je lui ai mis des graves déchassés dans sa gueule. Mais je les tienne avant. Aïe, mais y'a quoi? Va te faire foutre. Va te faire foutre, sale chien. Dégage de là. Bouge de là. Je veux plus te voir, putain. C'est vraiment un enculé, wesh. Wesh, personne touche à Yuki. Yuki, c'est ma fille, la tête de homme. Voilà. Aïe, mais quoi? Eh, hey, mais attends, mais ils sont où les autres là? Oh, les scores, ça dit quoi? Ah! Eh, c'est quoi ce bordel avec les points là? Ah, c'est bon, j'ai mis des points à l'équipe rose pour que vous puissiez venir en Égypte avec nous. Non. Kevin, t'es un canard? Ah, c'est un canard, mais moi c'est ma copine qui est con, c'est pour ça. T'es un caneton? Toi aussi, tu es un canard avec Tova, tu vas pas le mais faire. Mais t'es hein. Trop mignon, Kevin! Ah, tu trouves que c'est énorme, hein? Tu lui as offert des points dans sa classe pour qu'elle vienne avec toi en Égypte. Ah, je l'ai prendre pas la capacité oui. Comme ça, elle pourra être dans un hôtel de luxe, quoi, avec moi, quoi. Eh, vous êtes vraiment trop mignon. Vas-y, bah, je vous laisse tous les deux, les amoureux. Eh, viens au coffre, en fait. Quoi? C'est vrai qu'on a un coffre, nous. Oui. Ah, mais attends, tu veux qu'on mette ce qu'on a dedans? Bah, en fait, je sais pas, parce que ça se trouve qu'on aura besoin en Égypte pendant la mission. Ah, putain, c'est vrai qu'on part en Égypte. Non, viens, je garde. Au pire, à l'aéroport, je te les mets dans le cul. C'est quand même un peu gros. Hein. Bah, ouais, je peux me mettre certains trucs dans le cul, mais un pied de biche. Tu te fais un peu de place, quoi. Si tu veux, moi, je me mets le truc vision nocturne et toi, tu te mets le pied de biche. Ouais, en plus, j'ai des hémorroïdes, ça me gratte. Au moins, le pied de biche, si je fais quelques allers-retours, ça me grattera tout seul. Ah, bah voilà, c'est parfait. Dès que tu vas t'asseoir. T'as déjà eu des hémorroïdes, Bobby, ou pas? Non, j'ai jamais eu d'hémorroïdes, j'ai de la chance. Putain, je te conseille pas, c'est pas agréable. Ça se voit, dans le Nord, il y a des hémorroïdes partout. Ah, mais il y a des hémorroïdes partout dans le Nord. Hein. Dans le Nord, il y a toutes les maladies du monde. Oh non. Je t'emmènerai un jour dans le Nord à la ferme. Je te présenterai ma soeur, comme ça, tu pourras la quête. Ah ouais, t'es direct, toi. Hein. Ah bah nous, Léonie, on se partage. Hein. Ah ouais, donc si je te dis je ken ta soeur, ça te dérange pas? Bah non, moi aussi, je le fais. Ah, Abandonner okay. Léonie, là, c'est comme ça chez lui. Ouais, ouais. Bobby, il y a quelqu'un qui veut te voir derrière l'école là-bas. Je vous jure. Chelou. Qui derrière l'école? Je vous jure, il a dit que j'étais un poteur. Je sais pas, un mec, il est en train de détecter, il va le voir. What? Il est juste là-bas derrière l'école et oh, tu dois tourner à gauche, il veut te voir. Il m'emmène 100% dans regarde, un. Il est là, il t'attend. Attends, c'est pas ce que tu crois, pardon. Eh, hey, excuse-moi, je reviens. Attends, ah, hey, sale bouffon. Ah, il a voulu rentrer dedans. T'es vraiment une merde. Eh, hey, t'es vraiment... Oh. Bonjour, ah, monsieur. Comment tu as touché ma moto? Oh, merde. Non, c'est Bobby, il l'a pris. Et regardez, il l'a cassé dans un mur. Monsieur, vous avez vu, c'est Hamid qui était sur la moto. Il a essayé de me rentrer dedans. C'est un criminel. Il est blessé, monsieur. C'est Hamid Sefio, je répète. Hamid Sefio. Mais non, c'est mes boutons. Hamid Sefio. Ah bah là, ils ont bien explosé, là, sur le bouton. Les gars, il est trop nul. Mais attendez, la police, ils arrivent. Je vais pas partir en Égypte. Faut que j'aille me cacher. Putain, c'est un malade. Mais wesh, le prof il est parti en faisant un gros fuck. Non genre. Mais il a raison, j'ai niqué sa moto putain. Ouais, et ouais, vous, Bobby, vous savez faire la chanson de Ice Spicy? La ouais, chanson de Ice Spicy, c'est quoi? Ouais, celle avec la meuf, ils sont sur un toit. The boy is a liar. Je comprends rien. Celle qui fait The boy is a liar, the boy is a liar. Ah, je comprends encore moins. Bon bah allez, bye. Il a internet ou pas la suite? Je sais pas. Putain, je suis pas branché moi. Non, il a pas. Je crois il regarde juste le... Il écoute l'artiste Timout. Je crois c'est... Il regarde ça. Ah ouais, j'aime bien cet artiste. Bon, moi, la police, elle arrive, je vais aller me cacher. Madame la surveillante. Alors. Monsieur Hamid, il a détruit votre moto. Hein. Oui, bah oui, j'ai vu. Oui, t'inquiète pas, je vais pas en rester là. Ah, ça, c'est pas me faire passer par quel, ça va? Non, j'appelle le parrain Lamé. Ah ouais, je m'appelle Bobby, c'est... hein. Hein, Bobby, tu manges du mot?
Je me disais bien, il s'est transformé en Kevin pendant un moment. Mais monsieur, vous avez sucé une troupe de théâtre ou quoi? Oh, Chloé, quelle belle journée pour faire un cours improvisé. Mais attends, mais c'est un putain d'imitateur, le prof. Vous pouvez imiter les Yona? Cela que je vous ai envoyé par mail, oui, il n'y a pas de souci, Yona. Ouais, on peut le faire. On fait un cours, du coup. On va s'amuser à faire du doublage en français. Oh non, j'ai la flemme de faire du doublage. Mais par contre, la trappe. Là, j'ai une vraie. Tu viens de me faire penser à une vraie question. Imagine, ce soir, je veux ressortir. Comment je l'ouvre? En fait, il faut d'abord mettre les quatre pieds de biche et après. Donc il refaut, regarde, il refaut les quatre pieds de biche et le bec d'aigle. Par terre à côté. C'est quoi? J'ai trouvé ça, c'était par terre là à côté. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc par terre, c'est quoi? Ah, c'était un artefact. Quoi? Attends, mais il y avait vraiment un truc de fou par terre. Je vais te le donner, tu vas le voir. Ouais, c'est quoi? Attends. Ah, mais c'est une dinguerie ça! Mais je sais pas à quoi ça peut servir, faut qu'on cherche dans des livres à la bibliothèque! Non, mais faut pas le perdre, donc range-le! Et comment il est pas caché notre coffre quand même? C'est une dinguerie! Non, mais c'est pas ouais, mais il faut le code! Il y a un code, il y a un code! Ah bon, ça va! Ça, c'était quoi le code? C'est bon, je l'ai, je m'en souviens, je m'en souviens! Ok, ok! Eh, mais eh, par contre! C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? C'est l'artefact? C'est quoi ce. Vous avez entendu? C'est l'arté. Cachez-vous! Attends, c'est quoi, y'a quelqu'un qui a parlé? L'artefact, je sais pas si c'est l'artefact. Transle vite. Mais what the fuck? En vrai, essaye de lui parler. Il a disparu. Oh, c'est la magie, c'est pas grave. Il a disparu. On l'a vu. Maman. Wesh, maman. On l'a vu au moins, on l'a vu. Maman. J'ai la marque. C'est marqué. Non. Clétus. L'artefact, c'était un piège. C'était un piège. Mais moi, je suis immunisé. Mais putain. Mais ouais, le ciel a touché. Pourquoi elle est pas marquée, elle? Je suis immunisé. Il l'a activé. Oh, toi aussi. T'as menti? Non. Mais hé, les gars, on parlait à personne. Moi, je dis plus rien à personne maintenant. Et l'artefact, on en parle pas là. Pourquoi avec Bobby pour la marque? Comment on explique? Bobby, tu dis que vous dites que par solidarité avec moi, vous vous êtes dessiné une marque parce que j'avais trop peur de mourir. Ah, t'as raison. Du coup, pour me rassurer, vous avez dessiné ça. T'es un génie. Clétus, t'es vraiment un génie pour trouver des bonnes excuses. Arrête, toi aussi, t'es un bon mytho. Nova et Bobby, vous êtes plus ensemble? Non, on est plus ensemble. Pourquoi? Non, comme ça. Ouais, vous avez cassé. Pourquoi? Pense, en fait, on est genre meilleurs potes, mais il y a pas le truc. Non, on est alors l'abandonné. Friend zone. Alors, mais Bobby. Là, t'as dit deux dingueries. De moi. Mais Nova, t'as quand même dit deux dingueries. T'as dit y a pas le truc et déjà. C'est toi que t'as abandonné avant de me soulever, genre. Mais c'est bien lourd parce que tu t'en vas. Mais attends, Nova, t'attendais que je te soulève. Me soulever, elle a dit. Oh non, là c'est gore là. Mais tu sais que Bobby, il est asexué. Je crois que j'ai laissé passer ma chance. C'est quoi ça? Et Bobby, il faisait le ramadan, il pouvait pas. Ça veut dire, il faisait le ramadan. Vous savez ce que Emilie m'a dit? Mais vous racontez n'importe quoi là. Comme on va tous bientôt crever, il faut qu'on se trouve tous quelqu'un. Mais vas-y, c'est bizarre un peu quand même. Ouais, mais d'ailleurs, apparemment, il y a Léo qui a couché avec quelqu'un aujourd'hui. Vous voulez pas qu'il y ait Et moi, John, John, il m'a su, c'était bien. Ah, John, il t'a su, c'est toi? Il fait les meilleurs hier de toute l'école. Mais putain, mais il a vraiment sucé tout le monde. Eh, Bobby, c'est moi. Eh, sale chien! Sale chien, relâche-la là! Espèce d'enculé! Wesh! Aïe! 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 Nova, arrête! Aïe! Laisse ma nouvelle. Vous êtes trop mignons comme Roméo et Juliette! Putain, ferme ta gueule, Clétus! Ferme ta gueule! Eh, Bobby, pourquoi t'as deux personnalités? Comment ça, j'ai pas deux. Tu nous parles, tout va bien. À chaque fois, au milieu de conversation, t'as mode. Eh, les gars, vous savez quoi? J'ai une double personnalité! Mais j'ai fait ça! Mais j'ai jamais dit ça. Comment ça, man? Eh, moi, je suis Bobby, moi. Moi, je vais te casser la gueule, moi. Si tu me provoques. Pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'il faut se faire respecter dans l'école. Il dit c'est qu'il pas a comme changé. Ça que tu vas y arriver. Il dit que c'est plus une victime. Voilà, exactement. Je suis plus une victime. C'est fini, ça. Après, faut pas le dire. Faut faire, man. Ouais, voilà. Je voulais une patate pour vous comprendre. Vas-y, bah toi, avec Kirby. Putain, mais toujours ça. J'ai une petite envie pressante, là. Faut que j'aille aux toilettes. Quoi? Mais pourquoi t'as peur de moi? Commence. Je vais pas te faire de mal, ma petite Kirby. Ça marche. Comment tu m'as appelé comment là? Girly, t'aimes pas? Girly? Ouais. Non, c'est j'aime. Mims, non? Non, j'aime pas. Ok, alors je pourrais t'appeler comment? Et toi maintenant, Bobby, toi c'est poupée. Ma poupée. Tu m'appelles encore une fois ma poupée, je t'en mets une. Ouh, la menace! La menace! Poupée! Alors, je t'avais prévenu! Premier jour, tu m'as fracassé, maintenant je vais te montrer ce que j'ai appris. Oh! Voilà! Oublie pas les esquives! Allez, voilà, viens là!
Voilà, comme je t'ai appris, comme un lâche, c'est ça. Voilà. Oh, aïe, aïe. C'est la bagarre qui compte. Prends ça. Pas la manière. Je vais le faire. Oh, let's go. Oh, putain, t'en veux. Tu frappes les femmes. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Tu frappes les femmes, toi. Oh, non. Tu frappes mon pote, toi. Il a trop le seum, je l'ai fumé. Aïe, aïe, aïe. C'est qui la poupée, maintenant? Vas-y, ma petite fleur d'ici. Eh mais les gars, cet épisode c'est n'importe quoi. Voilà, donc maintenant on m'appelle plus poupée. Je t'appelle comment du coup? Tu m'appelles Bob's le boxeur. Bob's le boxeur. Voilà. Ouais, ça passe mieux quand même, Bob's le boxeur. Hein. Vas-y, maintenant vas-y. Tu m'appelles Bob's. Bob's. Vas-y. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Oh Bobby, pourquoi tu cours hein? Après, je veux pas partager ma tentative. Mais j'ai vraiment cru que c'était le deuxième Bobby qui me parlait. Monsieur le professeur de langue, vous avez pété les plombs. Ouais, j'ai pété les plombs. Mais vous êtes... Ah, mais il est dégueulasse, il est en train de chier. C'était moi, là. C'était moi, là. Refais, Michou. Wesh, les VG, c'est Bobby. J'ai tué le professeur de mécanique. Moi, je pense que nous devrions tous parler comme cela. Oui. Voyons la vie autant couleur. Oui. Oui, vous devriez voir la vie autant couleur, c'est une bonne chose. Mais comme les fleurs. Et madame la surveillante, vous parlez comme la prof d'art plastique. Non, on se moque pas, ouais, MJ. Ouais, ah bon, ça fait longtemps que vous vous exercez? Ah bah, c'est très dur d'arriver à notre perfection quand même. Ah, c'est gentil, merci. Mais pourquoi j'essaye pourquoi... de m'envoler, faire de nouvelles aventures? Aucune mythe s'en est trop dure, car mes amis, ils assurent. Mais vous êtes en train de devenir fou à l'aventure. C'est gagné. We did it. Yes, we did it. We did it. Yes, we did it. Mais j'ai volé le sac de Bobby. Je suis dans une école. Les gars, je suis en train de réaliser que je suis dans une école de fous. Là-haut, ça veut se battre. Ici, c'est ça fait... Ici, ils sont juste bêtes. Ouais, j'ai jamais été aussi content de la sonnerie. Les gars, le directeur, il a des gants. Bon. Pourquoi il a des gants? Il a jamais eu des gants. On vous entend pas. Les trois qui avaient dans la vidéo, les gars, rappelez-vous, on avait regardé la vidéo. Et ils étaient quatre. Et il y avait un élève et apparemment, ils l'ont renvoyé. En Algérie, pas plus tard qu'hier. Oh, les menteurs. Sachez que Bachir était certainement le meilleur élève de toutes les classes réunies. Vous avez intérêt à le menteur. Digne, hein. Après moi. Pour ce qui est de votre voyage, Ganesh va vous remettre les billets de bateau. Je suis toujours interdit de quitter le territoire, malheureusement. Et mais il n'est pas bien, là, le proviseur. Je sais que vous auriez aimé m'avoir à vos côtés. Non. Mais je ne peux pas venir. Et la scène, elle est bizarre, là, elle est suspecte. Où est hein. le concierge? Où est le concierge? Parce qu'il va pas me la faire deux fois celui-là. On l'a pas vu lui, c'est vrai. C'est là, il est en wesh. C'est qui lui là-bas? C'est qui lui? What? C'est quoi qui? Ça? Bonjour. Ah, c'est mon wesh, on dirait John. T'es mon correspondant. Attendez, laissez-le. Attendez, on l'entend pas, laissez-le parler. Silence. Quoi? Oui, bonjour, je m'appelle Lucas le chat. Et je suis prêt, chaud pour l'Égypte. Let's go Lucas, let's go. Lucas. Regardez Ganesh dans les registres, vous avez un Lucas le chat. C'est notre pote. Est-ce que vous êtes chaud pour l'Égypte? Bien entendu qu'il est pas dans la liste des registres, parce que c'est pas Lucas le chat, c'est Lucas le clochard. Lucas le concierge. Oh le non. C'est tapez pas Lucas. Lucas le clochard. Il a dit c'est Lucas le clochard. Wesh. Bon, préparez vos valises, je vous laisse 2 minutes. Allez-y. On va chercher les valises. 2 minutes, pas plus. Oh sa grand-mère, mais qui a chié encore dans ma chambre? Mais je vais péter un plomb. Mais nique ta race. Mais nique ta race. Mais gros, je me fais bizuter dans cette chambre. Il y a tout le monde qui chie comme si c'était des toilettes ici. Ah, Bobby. Ouais, je suis le premier. Premier. Ouais, très j'aime beaucoup. Allez, montez, hop. C'est les tickets rapides. Ah, mais je suis à côté de Nova, les gars. Vous pouvez pas nous faire ça. Laissez le pas partir. Hein. Oh, 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 vous êtes vraiment un pilote. Emilie, ça frappe toujours de fou. Eh, bien joué, bâtard. Plus 10 points de 6. Ouais, je l'ai appelé bâtard là. Oh, mais qu'est-ce que... Wesh! Wesh! Oh, les gros nulos! Après, il y a les pilotes et les quignols, ils font partie de la deuxième catégorie. Oh non! Ça va! Pas la fin! Ouais, descends, nous sommes arrivés. Allez, rien de quoi. Ah, mais on y va en bateau. C'est en bateau, hein. Non, n'avancez pas. Attendez, mais attendez, mais l'Égypte, c'est quand même super loin de l'Amérique en bateau. Francis. Construit en 1998, le Wonder of the Seas est un joyau architectural des bateaux. Ta gueule, toi. Allez-y, les enfants, vous pouvez faire une petite visite si vous souhaitez, d'accord? Je vais retrouver ta petite chambre. Tu vas avoir une. J'ai entendu. Je crois que Cletus est tombé à l'eau. Quoi? Cletus? Non! Ne tombez pas! Ah!
Hey John, sale chien, bouge. Non, c'est pas moi, mais vous, mais tu... Hey, t'es un bâtard, t'as voulu me pousser. Oh, Romuald. Je vous rattrape. Non. Romuald, il est en train de se noyer. Non, il ne peut pas qu'il se noie. Madame, faut que vous alliez le sauver. J'ai peur de l'eau, Bobby, j'ai peur de l'eau. Romuald. Ah. Je crois qu'il arrive. Il va rejoindre le. L'échelle. Ah, c'est bon, il a réussi. Putain, je retiens, il l'aurait même pas sauvé. Hein. Elle en avait rien à foutre. Bobby. Ouais, aïe, mais. Il t'arrive que toi. Mais il est trop con. Eh, hey, bouge tout, attends, viens, faut que je te dise un truc. Attends, non, t'as un fils de pute. T'es un fils de pute. Arrête. Oh le débile! C'est bâtard, va, je t'hésitais. Mais non! Le choix, pardon. Il a sauté tout seul! Encore! Putain, mais attends. Wesh, les chambres de fou! Bah attends, on va dormir là-dedans? C'est qui crie au secours? Ça boit, ça gavette, ça boit! Cléthus, t'es où? Je suis dans la salle de bassin, il est allé où? Eh, viens, je te jure. Ok, cool! Ouais! Oh, j'espère que je vais pas mourir. C'est un malade. Mais j'ai pété un plomb. Eh, mais à quoi vous jouez, monsieur le professeur, là? Oh, je fais un petit souvenir. Wesh, il se prend pour Inox Tag, lui. C'est un malade. Aujourd'hui, attendez, on peut passer 7 jours sur une île. Je sais pas ce qui va se passer, mais je peux pas partir avant. Mais c'est un malade. Il fait chaud, j'ai pas le choix. Je vais gratter dans l'arbre, on verra ce que ça donne. Objectif, c'est de faire une cabane aujourd'hui. Et il se passe quoi là-bas? J'en veux pas. J'ai fait les dinosaures. Bien sûr, avec un peu d'ATN qui a été conservé des millénaires dans la sève. Ils ont réussi à faire ressusciter des créatures disparues depuis des millénaires. Bizarre. C'est possible, ce genre de choses. Et vous pensez que c'est possible, monsieur, ça? Bien sûr. Vous pensez qu'on peut vraiment créer des créatures? Si on arrive à retrouver l'ATN d'une de ces anciennes créatures millénaires suffisamment bien. Attends, là, il y a un truc important. ATN. Une ADN, putain, mais amide. Vous allez croiser des vrais crocodiles. Ici, attention, hein. Quoi? C'est dangereux. Juste des crocodiles, professeur. Ne vous approchez pas trop des sources d'eau. Eh, mais il a plus les gants. C'est un livre d'histoire et c'est une recherche. Eh, bande de chiens, rendez-moi mes caleçons. Eh, mais la tête d'homme. Non. Il a plus les gants. Amenez-vous, s'il vous plaît. Correctement. Ça intéresse de fou les monstres ici en Égypte. C'est mon caleçon maintenant. Mais tu dis, les gars. Wesh. Alors, on est venu pour visiter. Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, tout là, où là-bas, Katao. Descends, Weldé. Il a l'air dans un mauvais état. C'est l'enfant là. Il est malade. Ici. Et de mon barak. Et Mabrouk, ma atos. Mabrouk, frérot, mais pourquoi t'as l'air tout pâle comme ça? Y a quoi? Ouais, c'est bizarre là. Comme ça, mon fils. Ici, l'Américain. Bienvenue, l'Amérique ici. Venez, vous être le bienvenu ici. Venir. Les enfants. S'il vous plaît, reculez. Je m'appelle Hamed. Je serai votre guide aujourd'hui pour vous guider dans tous les déserts. On va faire des choses exceptionnelles. Déjà, première. Vous y allez, il y a un prix d'IV. Il me rappelle la manière de parler de base. Les enfants, respectez le guide, s'il vous plaît, quand il parle. Il y a un IV. Ici, c'est de l'import-export. Quand l'IV vient ici, nous, on le paye 3 fois plus cher pour les immatriculations. Donc, si tu casses les quads, si tu casses le cross, si tu casses quoi que ce soit, tu payes 3 fois le prix. Est-ce que tout le monde l'a compris? Oui. Oui, monsieur. Oui. C'est bien. Régle, mais là, c'est bon. Je suis juré en Égypte, il faut vraiment ça. Va chercher une cigarette, Yabéloul. Il va chercher une cigarette, j'ai une cigarette, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que... C'est un délinquant. Non, vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on parle aux enfants. On va aller à l'hôtel du cousin. C'est le meilleur hôtel ici en Égypte. Est-ce que tout le monde, il a les torches? Vous avez une lampe torche? Non, ils ont pas les torches, Zabi. Ici, il a pas lumière. Aïe, Gims. Bah, on voit plus rien. Il a dit quoi? Il a dit Maître Gims. Il y a Maître Gims. On va mettre le lumière, on va trouver un... Ah, les bâtards. Wesh. Mais comment ça? Eh, la tête d'homme, il a pris le portail. Attends, mais on peut commencer à fouiller, là? Wesh. Avec des quoi durs. Wesh. Faites quoi de moi? Wesh. Wow! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Aïe! Eh, doucement, hein. Ah!
Brandon, tu m'as écrasé, toi. Mais Brandon, tu m'as couru dessus. Ouais. Attendez, les gars, c'est trop lourd, là. Wesh, y'a quoi, là-haut? C'est là où il y a les statues. Mais c'est incroyable. Wesh, mais Clétus. Eh, mais Clétus, à quoi tu joues? J'étais content de vous avoir connu. Adieu, Clétus. C'est la marque qui m'a rattrapé. Non, Clétus. Adieu, adieu, c'est la fin. Relève-toi, Clétus. Clétus. Oh. Oh, Ganesh. Ganesh, vous êtes venu me chercher? Oui, je suis venu te chercher. Ah, merci Ganesh. Tu vas rester là. Quoi? Quoi? 6000 ans. Nous contemplons ici, alors nous vous demandons le plus grand respect de cet endroit. Il y a une grande histoire derrière ce pays. Certaines personnes pensent que c'est même le berceau de la civilisation. Et d'autres estiment que les Égyptiens avaient déjà découvert l'électricité. Mais ils faisaient quoi avec l'électricité? Ils faisaient fonctionner quoi? Nous n'en savons rien. Le moteur depuis tout à l'heure, il contourne l'essence. C'est sa mère qui paye. Le cul. Ganesh, il est en train de se faire. Wesh. Non, non, non. Ganesh, que ce soit au Japon, en Égypte, il se fait défoncer. Il y a un qui est tombé, il est coincé quelque part. Et il crie comme. Il fait le cri de l'oiseau. On envoie directement le petit avion de mon ami. C'est bon, Mrig? C'est bon, il y a un test de cri pour voir. Non, comme ça, il vient pas, comme ça. Plus fort, plus fort. Doucement, les enfants. Eh, waouh. Et moi, j'ai une théorie. Le prof d'SVT, enfin, le prof d'SVT, on est sûr. Et je pense que le prof de théâtre et le directeur, t'as vu, ils avaient des gants. Et on avait vu la vidéo comme quoi... Ouais, ouais, voilà, on avait vu cette vidéo. Moi, je pense que... Ouais, mais tu sais, la marque, c'est ceux qui sont venus dans le sous-sol. Et bah donc, si ça se trouve, dans le sous-sol, vous avez croisé des monstres. Si ça se trouve, les profs, c'était eux les monstres. Moi, c'est ça ma théorie. Ouais, y'a moyen. C'est possible, franchement. On va voir, les gars, on va enquêter. Wow, wow, wow. Oh. Wesh. S'il vous plaît, descendez tranquillement, s'il vous plaît. Non, Léo. Mais relève. Aïe. Mais c'est des chiens. J'ai envie de me retourner, de te mettre une grosse patate. Fais-le et je crie et ils viendront m'aider. Non, bah, je le fais pas alors. Eh, franchement, partout tu vas, tu fous la merde. Tiens-toi à carreau un peu. Eh, nique ta race, toi. Tous mes trucs se passent bien, sauf quand t'es là. Eh, ah ouais, et la pyramide, elle est juste là. Oui, désolé, je suis prof de langue, pas d'histoire. Mais c'est une... Ça, c'est pas une pyramide, ça. Mais tu... Eh, cool, tu sais, c'est quoi? C'est une pyramide. Bah frérot, pourquoi tu t'es arrêté? Les enfants, plus vite, viens. Plus vite les enfants, on y va, allez, allez, on accélère, faut faire du sport là. Mais là, on fait quoi? On fait un footing là, on fait du sport? Ah d'accord, tout ce qu'il y a mon fils, là-bas il y a des pompes d'essence, il y a les quads. Et c'est d'y arriver, oui. ça date du longtemps, il y a tous les cargaisons, tout. Y'a rien et à fouiller, tu veux ouais, prendre y'a plein les quads. Tu me demandes. Tiens, une moto, attends, mais j'avoue. Wesh, mais Hamid, mais tu l'as tapé gratuitement. Ouais, mais il mérite. Allez, venez ici. Les gars, cet épisode il est vraiment aléatoire. Prenez les motos. Ouais, on prend des codes. Oh, le tracteur de. Wow. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bobby, tu vas brûler. Ah, à l'aide. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Léo, c'est toi? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est toi, Léo? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, tente-toi, Bobby. Attends, Bobby, il faut pas. Ouais, t'es sur Bobby. Mais... Wesh. Mais non. Bonjour, oui. Monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Yo. Je pourrais avoir en vrai n'importe quel fruit, moi, du moment que je mange, ça me va. Eh, donne-moi la figue de Barbarie, là, s'il te plaît. Je peux en avoir deux. Toi, tu connais comment bien, ça s'appelle en rebeu, déjà? J'ai oublié. La figue de Barbarie, comment ça se dit? Attends, laisse-moi réfléchir. C'est bonjour, pas monsieur... Abdoulila. Monsieur, vous avez des prix prêts aujourd'hui ou pas?
Non, c'est pas ça. Ouais, calmos, calmos. Moi, je mange le premier truc qui vient sur votre main, monsieur. Il y a un égyptien, il m'a vendu un panini. Un domac. Et qu'est-ce qui se passe? On a tout une dans notre sac à dos. Ouais. Latine, n'oubliez pas. Il faut que t'ailles parler au prof d'SVT et que tu lui demandes des infos sur la mission. Ok, vas-y, t'as raison. Mais faut que tu ailles tout seul, ok? Ok. 20 points par artefact que vous trouvez, je donne 20 points à votre classe. Ok, je vais essayer de... monsieur, justement, je voulais vous parler de ça. Ah, dites-moi. On est d'accord, du coup, il y a des artefacts à retrouver là. Mais Bobby. Ah, c'est vrai, si vous retrouvez des artefacts qui peuvent contenir de l'ADN des créatures antiques, ça m'intéresse beaucoup de les analyser. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail et je n'ai jamais de temps libre pour faire les recherches moi-même. Ok, très bien. Et il n'y a que ça à faire comme mission ici oui, en Égypte. C'est ça, mais ça peut être partout dans l'Égypte, il a dit. Vous allez avoir un quartier libre et vous pouvez vous promener. Et qu'est-ce que vous pensez dans l'hôtel là? Il y a des choses? Je ne pense pas, c'est un lieu très touristique. Si des choses avaient été découvertes, c'est longtemps que ça aurait été fait, je pense. Si. Hey. Ouais. Oh. Ganesh, viens. Ouais. Toi, donnez-moi. Téléphone, moi, donnez-toi lampe torche. Non, il n'y a pas. Viens. Moi, j'ai déjà une lampe torche. Ah, tu veux un téléphone? Moi, envoie téléphone, moi, donnez-toi lampe torche. C'est moi qui dis bien. Comme ça, on dit bien à toi. J'ai mieux petit. Petit, j'ai des cigarettes. Oh, cigarette! Ouais, j'ai des cigarettes! S'il te plaît, les cigarettes, il faut autre chose. Donne cigarette, donne. Je vais pouvoir fumer. Ah, d'accord, tiens, viens. Tiens, prends. Non, non, non. 5 paquets, un lampe torche. 5 paquets! Oui, c'est qualité. Bah, vas-y, bah, rends-moi mon paquet de cigarettes alors. Non. Oui, je m'as pété mes cigarettes. Ils vont mourir. Reviens, je vais te faire chier dessus. Elles vont mourir, t'inquiète pas pour eux. Putain! C'est pas grave, c'est un égyptien. Oh, on va aller chercher les élèves là. Deux paquets. Tu veux un deuxième? Deux paquets cigarettes, lampe torche. Deux paquets cigarettes. Ok, donc plus qu'un. C'est là? Oui. Venez, les jaunes là-bas. Les escaliers sont costauds. Non, c'est juste les escaliers de fou. C'est juste les jaunes. J'arrive pas à monter. C'est bon, il arrive. Casse pas les couilles, toi. Vous allez où? Dans les chambres. On nous a dit de monter. C'est notre chambre. Attends, c'est ça, les gars, c'est ça la chambre. C'est ça la chambre. Eh, mais attendez, les gars, si ça se trouve, les autres chambres, ils ont d'autres trucs. Va au dortoir des verres, ils ont d'autres trucs. De ouf. Là, le petit enfant, déjà, il veut bien m'échanger une lampe torche contre un téléphone, mais dès qu'il a vu ma main et mon tatouage, il a dit le chétan, et il est parti en courant vers son père, là. Je te jure, j'ai trop peur. Peut-être que le logo de notre main, il signifie un truc qu'on connaît pas. Hein. Ouais, attrape-moi. Wow. Vas-y. Mais ça va. En échange du téléphone, tu pourrais nous faire sortir d'ici? Ça va coûter plus cher. Beaucoup plus cher. Écoute, un téléphone et une radio. Et le numéro 2 de la femme. Quelle femme? Tu veux laquelle? Toutes. J'ai tous les numéros. J'ai tous les numéros dans mon téléphone. Vas-y, là, ouais, dans son téléphone. Ok, donne-moi le téléphone avec tous les numéros. Eh, hey, y a le numéro de la femme que tu vois habillée en vert. Il y a le numéro de. C'est bon, il a dit donne-lui. Allez, hop. Donne numéro. Tiens, prends mon tel. Donne, je vais vérifier avant. Oh, ma gueule. Hey, Émilie, c'est quoi ton numéro? C'est quoi ton numéro, Émilie? Je sais plus. Mais regarde dans ton tel. Allez, c'est bon, tu m'as donné le téléphone et voici ta lampe torche chez elle. Parce que c'est une lumière. Au revoir. Quoi? Putain, il nous a arnaqué encore. Non, mais alors là, non. Et je peux le massacrer? Ouais. Eh, reviens là! Rends mon tel! Rends mon tel! Rends mon tel! Toi, tu me rends mon tel, soit on sort d'ici là! Ma tel et lampe torche alors! Je te donne la torche. Mais je veux pas la torche, moi! Moi, je la veux, si la veux pas! Bah, vas-y, donne la torche à Émilie alors! Toi, je te donnerai même la lune! Ah, c'est trop mignon, c'est trop gentil. Et Emilia, elle aimerait bien voir les pyramides. Mais t'es sérieux ou quoi? T'as 12 ans, t'as 12 ans. Elle veut faire un date aux pyramides avec toi. T'es en force de le manipuler. Tiens, voilà la lampe torche. Merci beaucoup, c'est super gentil de ta part. Je l'ai mis dans ta culotte. Oh, coquin. C'est vrai, c'est tout frais. Ah, Emilia veut bien visiter les pyramides avec toi. Elle-même, j'avais trop le seum, bande de connards. Ouais, c'est vrai. Putain, depuis le début, j'ai essayé de la pécho, mais lui, il est trop charismatique pour nous, mince. C'est vrai. Et tu peux emmener Emilia en date aux pyramides? Ouais, elle aimerait trop aller aux pyramides avec toi, Maddy. Je peux pas, c'est à Rome, après le mariage. Bah, si vous voulez, je vous marie. Moi, je fais la cérémonie avec vous. Je marie avec elle, après là, je peux. Emilie, sois-tu pour prendre pour épouse Marcelino juste à ta droite? Non, pas ici. Il faut y avoir la famille, papa, la prochaine fois. Ton tel. Putain, j'avoue, j'ai plus mon tel du coup, mais il va le garder. On était en intimité là. Ah, pardon. Je me disais, est-ce que tu peux me reprêter mon tel vite fait? J'ai oublié un truc. En gros, il faut que j'enregistre un numéro dans ma tête. Pas de lampe torche, pas de téléphone. Tu me donnes une lampe torche, je te donne un téléphone. Ah ouais, mais t'es dur en affaire, toi. Ça va, les verres? C'est juste pour récupérer un numéro que j'ai enregistré. Ok, tu fais attention. Ok. Merci. Alors, attends. J'ai juste regardé un truc. Téléphone.
Tu m'as dit presque. Reviens. Téléphone. T'es trop rapide. Ok. Mais attends, mais t'as 10 ans, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si je te le rends pas? Ouais, je suis un voleur, je suis un arnaqueur, tu vas faire quoi? Oh, rien du tout, parce que t'es plus grand que moi, et tu mets un coup de pied, tu m'enterres vivant. Bah ouais. Pardon, monsieur. Ouais, t'as tout compris, allez, va t'excuser, va voir Émilie, va t'excuser. Va t'excuser à Émilie, allez, c'est bon. Eh, que je te revoie plus, là. Allez, dégage. Lâche-moi. Que je te revoie plus. Allez, file. Ok. Il m'a étranglé. Quoi? Eh, les enfants comme ça, faut leur montrer c'est quoi la vraie vie. Bon, moi je vais me coucher, les copains. Bonne nuit.